Hey, salut tout le monde! Oh shit! Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Tabarouais. On va aller voir ça. Ce sera pas long. Sera pas long. Laissez-moi trouver pourquoi ça fonctionne pas. Ça va prendre 2 secondes et quart. Pour ma chaise. C'est pas grave, ça. Bon, ben. On va en faire un autre d'abord. Capture de fenêtre. Et on va aller dans. Et voilà. Ok, donc vous voyez mon bureau. Et voilà, donc ça fonctionne. Je tiens de même, mais pas gain de sortir un tout petit bloc donc est pas cher. Ouais, ben. Le dernier, je sais pas s'il est plein. Je pense que oui. Mais oui, je vais partir un autre break plus tard, là. Parce que. On est vendredi, puis c'est le party! Il est plein. Hein? Il est plein. Le party! Oui, il va en avoir un autre. Mais là. Laissez-moi le temps de. Je vais commencer par faire le break là. Après ça, je vais faire l'autre break de hockey. Je vais créer un break entre-temps. Là, vous allez me laisser moi une chance. Donc, on y va. Donc, on va brasser ça. Je suis content. Donc, j'ai mis les noms 15 fois x 2. Fait que Kev la chance. Quand vous êtes marqué 2 ici, ben, dans le fond, vous allez avoir 4 équipes. Puis, j'ai copié-collé les 15 deux fois. Et après ça, on va les randomiser pour les enveloppes. Donc, on va commencer ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. 4 fois. Et là, vous voyez, on voit pas ma face malheureusement parce que je me tente pas de. J'ai juste mis mon écran là, pour que vous puissiez voir. Et on va commencer ça. Puis Val d'Or représente secteur nord, David Lavoie. Secteur nord, David Lavoie. Et voilà. Donc là, on va aller voir les équipes qui vous sont destinées. Sylvain Tremblay, David Lavoie, Atlanta, Diamondbacks, Sylvain Tremblay, Martin Boulet, les Orioles, les Red Sox à David Lavoie. Donc, 4 équipes pour David Lavoie en passant. Emile Lancette, les Cubs, les White Sox à Kev Lachance, Jeff Latré, ah, les Reds de Cincinnati, Sylvain Tremblay, les Indians, Colorado, Rockies à Maxime Michaud, JP Moreau, les Tigers et Astros à Luc Gagnon, Stéphane Michaud, les Royals de Kansas City, les Angels. À Martin Boulet, les Dodgers à Emile Lancette, Sylvain Tremblay, que les Marlins, les Brewers à Jeff Latré. JP Moreau, les Twins, David Lavoie, les Mets, les Yankees, Luc Gagnon, David Lavoie, les A's, Phillies, Tommy Gagnon, Maxime Michaud, les Pirates, Padres, JP Moreau, Maxime Michaud qui se retrouve avec les Giants et les Mariners, les Cards, à Kev Lachance, Tommy Gagnon, les Rays, les Texas Rangers, à JP Moreau, Stéphane Michaud se retrouve avec les Blue Jays et Washington se retrouve avec Sylvain Tremblay. Donc ça, je vais le copier tantôt. On va aller faire l'ordre pour les enveloppes, quel numéro va vous être destiné? Quand tu dis secteur nord, David, c'est quelle région? C'est Val d'Or? Parce que Val d'Or, c'est pas tant dans le nord. Tu pensais où? Non, mais c'est pas dans le nord. C'est quoi le nom? Le nord, c'est nous. Et on va aller voir, ça c'est l'ordre des enveloppes, les gars, fait que tantôt à la fin. Ben, Luc Gagnon, tu vas avoir l'enveloppe numéro 1, David Lavoie, l'enveloppe numéro 2, Tommy Gagnon, l'enveloppe numéro 3, etc., etc. Et je vais faire la liste de ça. Donc, ceux qui ont 2 spots ont 2 enveloppes. Y a-t-il été brassé? On a été brassé. Ça a donné que Sylvain y avait ses 2 spots un à côté de l'autre. OK. Et là, je vais aller copier ça ici pour ensuite aller au live scene. 5 gars de Val d'Or, tabarouette, ça brasse, hein? Ça brasse, Val d'Or. Moi, je suis allé à Val d'Or une fois dans ma vie. Puis, je suis allé au Red Light, les gars. Je sais pas si ça existe encore, mais je suis allé au Red Light de Val d'Or. Et voilà. J'ai passé genre 2 ou 3 jours là-bas. Puis, il n'y avait rien à faire, fait qu'on était au Red Light. Ok, donc on va commencer tout de suite.
Donc, la même boîte qu'hier, la série 1, la Tops série 1 qui est sortie avant-hier. Et on va commencer ça. Et non, ça n'existe plus. Ah ouais. Ça avait l'air d'être comme genre... reconnu comme bord. Là. Et là, ça, on va l'ouvrir. Quand je disais qu'il y avait beaucoup de bois, de cartes. Là. Donc, on a trois paquets ici que je vais ouvrir à la fin. Et ici, on a toutes les cartes. Fait que tu sais, il suffit de l'échapper. Là, de tes cartes vont maganer après ça, c'est bien sûr. Fermé. Donc, tout le monde dit que c'est fermé. Mais là, j'avais été dans un autre bar aussi. Mais il n'y avait pas grand monde. C'était ça. Fait que j'imagine que ça n'existe plus non plus. Ok. Donc, on va commencer ça. Bonne chance à tous. Mon petit bloc-net. Je vais sortir mon petit bloc-net ici. Ok. Ok, donc nous on envoie les rookies et les cartes spéciales, sinon les base on les envoie pas, mais les base rookies comme celle-là on les envoie. On commence avec une Angel de Los Angeles, Martin Boulet, tu te retrouves avec la rookie de Joe Endel. Ensuite, Tyler Stevenson pour les Reds de Cincinnati, Jeff Latreille, Eddie Alvarez pour les Marlins. Donc, moi, les Marlins, c'est le prospect que j'aime bien, c'est le lanceur Sixto Sanchez. On a Casey Mize ici pour Détroit. Justement, en parlant de Sixto Sanchez, les Marlins. Donc, le lanceur, rookie. Donc, lui, ça, c'est une bonne... Et là, après ça, on s'en va dans le festival des bases. Là, Dylan Larkin, Carlson. Ensuite, on a Brandon Bielak, le pitcher rookie pour les Astros. Les Astros aussi ont beaucoup de rookies, vous allez voir. Base. Luc Gagnon, premier break de baseball. Oui, c'est vraiment le fun parce que t'es sûr de sortir avec une enveloppe. Fait que ça vaut la peine. Et on a une petite, donc la deuxième année, souvent, c'est les tops, les rookies qui ont performé le plus l'année précédente. Donc, Tony Gonsolin, on va l'envoyer parce que ça fait partie des inserts. La Luis Patino pour les San Diego. Lui, j'adore sa carte à lui avec sa position. Ensuite, on a une Drury base. Et on arrive aux petites spéciales parce que dans les spéciales, il y a ça. Et savez-vous quoi? Je pense que je vais garder la patch pour la fin. Parce que je suis un gars comme ça, moi j'aime bien ça, garder ces affaires-là pour la fin. Fait que je vais vous montrer les autres. On a une petite Brady Singer ici pour les Royals, pour les Riley Royals. La rookie, donc le style old school. In a Stars in Service de David Big Papi. David Ortiz. Donc reconnu lui pour. Hein, on le sait. Ses circuits. Boston. Insert ici de David Ortiz. Nice. Lors d'une journée de bienfaisance. Une petite base. La rookie. Ian Anderson, le lanceur pour les Braves d'Atlanta. Base. Et ici, on a une petite Tampa Bay Rays. Donc, une carte Tampa Bay Rays. On a Dabonem, donc si on en envoie une, il y en a plusieurs, puis vu que c'est une petite variante base, on va l'envoyer quand même, vu qu'elle est quand même cool. Là. Donc, tant que c'était à la mode de daber. Vous l'avez pas vu, mais j'ai dabé un petit peu. Une Brady Singer ici pour les Royals. Et ensuite, ce sont que des bases. Donc là, comme vous pouvez voir, la moitié du paquet, c'est des rookies, et l'autre moitié, c'est des bases. Donc on y va. La future star. Aquino pour les Reds. Un autre future star.
José. RQD et la Danielle Johnson pour les Indians de Cleveland. Maintenant, si les Indians vont changer de nom éventuellement avec tout ce qu'on entend. Je sais qu'il y en a qui sont à l'envers, mais je vais quand même pas tant les retourner pour les bases ou les retourner pour les hits. Donc, une future star, Nico Horner pour les Cubs. David Peterson pour les Mets, la recrue, le lanceur. La recrue Anderson. Tejeda pour le Texas, les Rangers de shortstop. Et ensuite, on a que des basses. On va arriver au petit insert ici. Base, base. Donc, une petite Cal Lewis ici qui va faire le catch pour les Mariners de Seattle. Ça s'en va là-bas. L'équipe des Orioles qui salue. Après une victoire, les Rangers aussi. Get up! Donc un high five entre Pete Alonso et son coéquipier. La rookie de l'Arizona, Arbento Meja. Donc pour Arizona, fait que tout le monde reçoit des cartes dans ce bloc-là, honnêtement. Le Nick Niter, la rookie. Donc chaque rookie, on l'envoie. Puis au baseball, on s'entend qu'ils sont genre. On est beaucoup plus là, dans une équipe de baseball, par exemple, que dans une équipe de hockey. Donc, beaucoup plus de rookies. Hein. Fait que c'est pour ça qu'il y en a vraiment beaucoup. Une future star, Brendan McKay. C'est comme un peu la série. C'est rien. C'est comme la série 1 hockey. Le pitcher. DH. Akuna ici. Base. World Series. Et c'est ça. La Mookie Betts. Et on va aller voir nos inserts pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos inserts? Oh nice, une petite rookie ici, donc la base parallèle. Ryan Castellani pour Colorado. Les Rockies du Colorado. Maxime Michaud. Une petite style 35 ans dans le fond, parce que c'est les cartes des années 70. La Jesus Luzardo pour les Aces d'Oakland. Et on a une petite carte ici d'Icott. Platinum Player. Donc, des années 70. Wade Boggs des Red Sox de Boston, le troisième but. Avec la moustache. En fait, ça date pas des années 70. Ben, la carte s'est marquée 70. Là. Mais il s'est retiré en 1999. Donc, il a pas mal joué dans les années 80. 90. Ça, je vais te le laisser. Puis, tu peux le mettre dans un top load aussi, s'il te plaît. Et l'autre, c'est une base. Je l'ai commencé avec la patch en plus. Après ce paquet-là, je vais montrer la patch. Donc, on y va. Merci. La recrue Edward Olivares pour Kansas City. Sinon, il y a le troisième but des Phillies de la recrue, Alec Baum, que une bonne recrue à avoir, là, il va l'avenir devant lui. Et on arrive à notre petit insert ici. Donc, Jamer Candelario pour les Tigres de Détroit. Et en dessous, on a une rookie pour les Rockies, la Nolan Arenado. Arenado, numéro 28. Le troisième but. Et on a une Reggie Jackson. Nice. Reggie Jackson qui est une légende du baseball. Lui qui a joué avec les Yankees de New York. Donc une petite update ici. C'est Reggie Jackson, New York. On va pouvoir la mettre dans un top load. Le Slam Diego. Non, 4 game, 4 slam. Regardez comment Tatis. Moi, Tatis, c'est genre. Tatis, c'est un de mes préférés. C'est mon préféré, je pense, en ce moment. Ouais, c'est mon boy.
Les Brewers. Moi, je suis content parce que dans cette série-là, c'est les premières fois que je vois sur carte. Donc, les Yankees ici. Et en dessous, une base. Le Nate Pearson, le gars des Blue Jays là, qui pitch ici à 107 là, des fois. C'est quand même assez rapide. On va aller voir la patch. Donc, on avait une petite Tarik Skou. Screwball, le lanceur pour les Tigres. Et en dessous, nice, une cape. MLB Spring Training de Joey Votto pour les Reds. Donc, une commémorative cape logo patch. Regardez ça, comment c'est beau. C'est vraiment une belle carte. Les Reds de Cincinnati. Monsieur Latreille, elle est sur 70 seulement, la 65e de Joey Votto. Et ça, c'est certain que je la mets sur mon board. Sur 70 exemplaires seulement, c'est quelque chose. Joey Votto. Donc c'est ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est hier aussi, on a vraiment eu une belle patch. C'est qu'il y a des belles, c'est comme des patchs de casquettes. Donc c'est vraiment. Si on peut en avoir deux, ça serait exceptionnel. Hey, Reggie, tu vas venir ici. Joey Votto, qui est un excellent joueur. Ses bonnes années sont derrière lui, là, mais ça reste quand même. Pour les Blue Jays, San Diego Espinal. Lui, si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas lui. Je pensais que c'était celui qui avait été drafté 5e, mais. Isaac Paredes pour Détroit. Une petite Christian Pache ici, le outfielder pour les Braves. Une rookie Kieber Ruse pour LA, le catcher, mais je ne sais pas. Donc ici, une équipe d'étoiles en plus parce qu'il a un peu joué l'année passée. La Ryan Mountcastle pour les Orioles. Gros prospect ça, pour les Orioles de Baltimore. C'est pas des rookies, je n'en reviens pas. Cody Bellinger qu'on a vu. Outfielder, let's go. Oh, donc, on arrive. Oh shit. On arrive à une petite Wade LeBlanc. Donc, la variation ici. Donc, c'est comme des bases, mais avec la variation glossy pour Baltimore. Washington, donc l'équipe de Washington, l'équipe des White Sox. Et Pass Game and Wash, donc ici Guerrero qui donne du. Regardez, du Purell à son catcher. Faut qu'il se lave les mains. Une bonne chose. La rookie, le lanceur, Cody Ure pour les. Les White Sox de Chicago. Blake Snell, profitez-en. On ne verra pas longtemps. Cody Seager ici pour lors de la cérémonie. Ben, quand il a gagné la série mondiale, Yoli Tavares pour le Texas. C'est juste des bases. Donc, Sylvain Tremblay qui dit que les Foreurs ont marqué, c'est rendu 1 à 1. Je suis plus vraiment le junior majeur, surtout depuis la pandémie. Là, on va avoir une. Oh, nice! On va avoir une Evan Longoria ici, numérotée. Donc, Evan Longoria, troisième but pour les Giants. Le vétéran, 582e. Donc, on a des cartes numérotées sur 2021 dans chaque paquet. Dans chaque boîte. Donc, ici, la Evan Longoria, numérotée sur 221. 2021, désolé. Ici, on a une petite Old School Buster Posey pour les Giants. Donc, deuxième carte pour les Giants. Et là, on a une petite Brewers. Christian Ehrlich, Outfield. Une variation. Donc, c'est pas sa signature. C'est pas une signature que dessus en passant. Là. Donc, Brewers. Ça, c'est à Jeff Lalancette, je pense aussi.
JP Petit, toi, tu viens d'où? Est-ce que tu viens aussi de Val-d'Or? Est-ce que si tu dis go power go? Putain, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de cartes là. C'est fou. Ouais. Donc, do it for the fan, do it for the cutout. Donc, regardez les foules en carton d'ailleurs. C'est la cause du COVID l'année passée. Les enveloppes, je vais rappeler à quoi ça sert. League leader, donc une petite insulte ici de Marcell Ozuna, l'outfielder. Et Sylvain, dans le fond, les enveloppes, ils servent. Chacun en a une. Tantôt, j'ai fait tirer un ordre. Et chaque spot en a une. Fait que toi, vu que t'as deux spots, tu vas avoir deux enveloppes, puis ils se cachent. Donc, ici, une petite Evan White, rookie. Et on va avoir notre. On a vu notre patch. Mais avant, je vais montrer celle-là à Steven Matz pour les Mets de New York. Là, ici, on a une Yoan Soto pour les Nationals de Washington. Sylvain Tremblay. Justement, en parlant du loup. Donc, dans le fond, tu as deux enveloppes là-dedans qui sont ton destiné. On a une carte qui vaut 200 $. On en a une autre qui vaut 100 $. Et on va avoir notre signature. Oh shit. Non, c'est pas une signature. Ceux-là, ils m'ont eu hier. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu hier avec ceux-là. C'est juste. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Donc, c'est comme un genre de souvenir de la Top Chrome. Short print. Donc, de Bo Bichette de l'année passée. Mais pourquoi vous nous mettez ça? Regardez, donc ça, c'est l'année passée. Donc, 2020 Topps Cleary Authentic Autograph Blue Parallel Card. Il nous explique c'est quoi, mettons, la carte à travers les années, là, les signatures qu'il y a eu. Là. Ça fait juste des faux espoirs. Donc, Nate Pearson, lui qui lance des gaz au-dessus de ça. Et regardez, là, je l'ai montré hier, mais regardez comment Vladimir a l'air en shape. Hein? Il a l'air en shape, hein? Avec ça. Wow. C'était Diamondbacks Arizona. Ici, c'est les Pirates. World Series, Dodgers, Walker, Buehler, le lanceur. Donc ça c'est comme des petites short prints de ceux qui ont participé, ben, les champions de la Série mondiale, les Dodgers. Puis le break 277, il va se faire quelques moments après le break de baseball, donc dans à peu près 40 minutes là. Et là, rookie Albert Abreu. Et, puis on avait aussi la Tyreek Skubal rookie. La League Leader ici. Pour Travis Bauer. La League Leader. De Monsieur TJ. Le Mayu, le deuxième but. Les Yankees, la Chris Derbick pour les Royals. La Bo Burrows pour Détroit. La Bo Bichette, Future Star. Il reste. On avait la carte de Détroit, Motor City Masher. C'est des bases. Donc, on va faire la moitié de la boîte, là. Donc, il reste encore l'autre moitié à faire. Ici, on a une petite base parallèle de Adam Fraser pour les Pirates. Et on a une numérotée ici sur 2021 encore de Monsieur Roberto Osuna. Donc, lui qui était avec les. Qui était avec les Blue Jays avant. Avant qu'il se fasse pincer à péter la gueule à sa femme, puis ils l'ont tradé. Donc, il y avait ce baez pour les Cubs. Ouh, nice! Une petite ici, Kent Griffey Jr., Platinum Player. Donc, lui, c'est une vraie légende.
Ken Griffey, hier, c'est lui qu'on faisait tirer. On a fait un break de base hier. Il y avait 15 enveloppes avec 15 cartes gradées de Ken Griffey à l'intérieur, dont certaines à 100 $. Les Mariners de Seattle appartiennent à Maxime Michaud. Mets-toi dans un top lot, s'il vous plaît. Nice, Tatis Junior. Une base. La rookie, monsieur. Name Dunning pour les White Sox. C'est Mitch White, Future Star, Trent Grisham pour San Diego. La recrue pour les Giants. Chadwick Trump, le catcher. Elbows only. Donc on se donnait pas de tape ses mains. On faisait des. Faisait semblant de faire des high five aussi. Qui est marqué sur la carte. Et le reste. Les Dodgers de Los Angeles. Et. Continue base. Donc il nous manque notre signature. On a eu nos deux morceaux de jersey. Donc j'imagine qu'on va devoir. Ça se peut que Lafrenière ait été benché, qu'il n'ait pas fait partie du dernier match, ou qu'il fera pas partie du prochain match. Il me semble que quelqu'un m'a dit qu'il avait été mis de côté pour une game. Donc, on avait une Future Star de Galera ici, une Andrés Gimeson pour les Mets, rookie. La Nick Mandrigal, deuxième but rookie pour les White Sox, James Capulin pour les Aces. Et c'est lui que je vous parlais tantôt, Alec Bohm. Donc lui, il va être fort là. Pour les Phillies de Philadelphie, gros team ça. Tommy Gagnon, la grosse carte ça. Future Star, Galvin Lux. Oui, on aimerait ça faire ça pour le hockey. Aussi des enveloppes. Future Star, Jesus Luzardo. Sauf que Christian Yavez pour Houston. Spencer Ward pour les Phillies. C'est que là, il y a comme juste trop de cartes. Fait que c'est juste long. Il n'y a pas le temps de savourer aucune carte. Davy Scarcia, parce que qu'est-ce qui arrive avec une boîte de même? Ce que je veux, que vu que je sais que tout le monde ne connaît pas la boîte, ne connaît pas trop les joueurs, ben ça serait plate que je les passe sans dire. Louis Scarcia ici. Base, base et base. Et on a aussi la Andrés Giménez shortstop. Mais là, j'ai dit tantôt lui. Ouais, c'est ça, je ne sais pas c'est quel paquet. Quand tu vois ça veut dire que c'est une rookie. On a une petite parallèle. Albert Abreu, rookie. Ça, c'est une belle, ça. Pour les Yankees de New York. Et on a une Mike Piazza. Donc, lui qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs catchers de sa génération. Et on a une petite numérotée. Jose Altuve pour Houston. J'étais persuadé qu'il était numéroté à cause de notre beau. À cause du glacier autour, là, comme les autres. Mais non, elle est plus. Elle n'est pas numérotée. Houston! Et là, on y va, on va regarder si on n'a pas des recrues dans nos bases. Donc, ça, c'est des équipes. On va les donner. On a une World Series ici. Donc, World Series, Clayton Kershaw. Ailleurs, la Clayton Kershaw qu'on a sorti la black sur 75 seulement. C'était pas pire pantoute. Et là, on a une belle Lewis Roberts qui fait partie de l'équipe d'étoiles. C'est elle, sa carte rookie. Là, on a comme une pink refractor. Okay, dans une des 15 qui est une pink refractor, et la pink refractor raw vaut 200 $. Donc nous, on n'avait pas vu la petite erreur sur la carte, fait qu'on est allé la faire grader. Mais si on la vend raw comme ça, elle vend 200 $. Ok. Est sorti 5, malheureusement. Mais la plupart des cartes sont en bas de 7, là, on va se le dire. Fait que personne n'en va faire grader leurs cartes parce qu'ils savent que ça va arriver en bas de 7. League Leader. Future Star. Les Reds, Future Star. Houston, on l'a vu tout à l'heure, lui. La Rookie pour Colorado. Ryan Castellani. Nick Eatty pour Kansas City. Tristan McKenzie pour le Cleveland. La Ligue Leader Shane Bieber.
Ensuite. Équipe d'étoiles. L'équipe des Orioles, l'équipe des Rangers. Get up, on avec Alonso. La rookie. Media. Ensuite, on a les Marlins. Nick Eder, la rookie. Le leader ici pour Jacob DeBrome. Future Star. Brendan McKay. Mookie Betts, World Series. Ben, il y a Anderson. Comme tout à l'heure, là, tantôt, notre ami Rémi nous a dit. Il y a aussi, moi, je pense que Pearson avec les Blue Jays va être à surveiller. Même s'il s'est blessé l'année passée. Puis il va avoir aussi Sixto. Moi, je pense que Sanchez à Miami, ça pourrait être très bien, là. C'était Chris Paddack ici pour les Padres. Et notre signature s'en va aux Pirates de Pittsburgh. Maxime Michaud. Donc la signature rookie de Ke'Bryan Hayes. Est-ce qu'elle est numérotée? Elle n'est pas numérotée malheureusement, mais on va quand même la mettre dans un sleeve avec un top load. Une petite Calvin Junior et une fausse signature ici de Fernando Tatis Rookie. Ça doit valoir cher. Une Fernando Tatis Rookie signée, là, ça vaut tellement cher. Mais là, on a une photo de la carte. Ben, c'est pour genre juste rappeler. Parce que là, ça fait comme 70 ans, là, que ça fait 50 ans que ça existe, mettons. Ça a commencé en 71. Fait que je pense qu'ils font des éditions souvenirs aussi, là. C'est pour ça qu'ils font ça. Donc, la rookie Daniel Johnson. Un show pour l'Arizona. Une petite. C'est final pour. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est les mêmes recrues qui ressortent, là. Christian Pache. Future Star ici. Je comprends pas pourquoi ils mettent les cartes en envers. Nicole, fait que ça fait juste que c'est plus long. David Pearson, rookie. Anderson Tejeda, shortstop. C'était Charlie Martin ici pour les Rays. Donc la variation. Et ici, la Chris Bryan, que vous pouvez peut-être gagner. Chris Bryan qui peut-être gagner pour Chicago, là, si ça va à Chicago, il pourrait peut-être gagner. Tu grattes ça, tu participes. Tu vas peut-être aller au concours de circuit en 2022. Anthony Rendon pour les Angels. Ouh, Pedro Martinez avec les Dodgers. Ça, c'est fou, ça. Je trouve ça plate qu'il ait pas mis. Il a mis les Mets, mais ils ont pas mis les Expos. C'est un peu plate, ça, par exemple. Donc, Pedro Martinez avec LA Los Angeles. Wow. Des bons souvenirs, ça, Pedro. Hein. Des bons souvenirs. J'ai très peu de souvenirs de Pedro, là, mais les expos, oui. Il va nous rester un paquet après et on va passer au. Aux enveloppes Cody Eager Rookie. World Series Cody Seager qu'on l'a vu tantôt. Je vais faire de la place pour notre ami Ken Griffey. Un paquet. IGF, t'as eu la patch qui est là de Joey Soto sur 99. Et les Brewers, tantôt, ont eu une petite. Ils ont eu quelque chose aussi. Je pense qu'ils ont quelque chose de bon, là. Je me souviens plus c'est quoi, mais c'était pas mauvais.
La rookie ici pour Boston, Bobby Dalbec. La Future Star, Justin Dunn. Monte Harrison pour Miami. Ensuite, Joey Bart pour San Francisco. Mais j'ai pas encore fait tirer les enveloppes en passant, donc on va voir. Et c'est nos derniers inserts, nice! La World Series en plus de M. Clayton Kershaw à Los Angeles. Rémi Lalancette en plus avec la variation. Et en dessous, on va avoir une Brewers, JF Latré qui arrive au bon moment. Donc les Brewers, oh nice, belle carte ça. Donc Aviel Garcia, la outfielder avec la variation comme ça ici. Vraiment belle. La 183e sur 499 pour notre ami Avisel Garcia. Et là, il nous reste deux petites inserts. La Dodger Walker Pooler. Et la Nolan Ryan pour les Rangers. Donc c'est ça, je pense que là, ils vont s'amuser là, toute l'année Tops à nous dire que ça fait 50 ans qu'il existe une petite Cody Whitley. C'est Jesus Sanchez pour Miami. Beaucoup de recrues Miami aussi cette année. La League Leader ici de Shane Bieber. Notre Tiger. La Rookie Taylor qu'on a vu tout à l'heure. Walk-off à part pour les Giants. Et on arrive à nos trois paquets bonus et on arrive aux enveloppes. Donc là-dedans, on va avoir un petit ticket de match. Hier, on a eu une Mookie Betts. Est-ce qu'on peut égaler ça, peut-être? Get up, stand up. Oh shit, nice. Une heure. Acuna Jr., donc lui, avec Tatis, fait partie là, des jeunes, la jeune révolution, on dirait quasiment un signé, mais regarde ici par exemple, malheureusement, regarde là, il est plié. Je sais pas si tu peux le voir là, ouais, là on le voit mieux, regarde, malheureusement, donc ça, on va mettre ça, bon, regarde, tu mettras de côté, moi je sais comment l'emballer après là, je mets comme deux Steven par-dessus l'autre, puis je les mets dans les top loads. Prendre les gens à chaque bout. Ouais, c'est ça. Là, on va arriver à nos petites cartes Prism que j'aime bien. Donc, des cartes des années 70, légèrement avec Prism ici. On peut avoir des couleurs. Donc, les... ça, c'est comme la de base. Mais les couleurs après ça, plus il y a des couleurs, plus c'est cool. Donc, là, Ichiro pour les Mariners. Ici, on a une carte pour les Brewers. Robin Yount. Une George Brett pour les Royals. Et en dessous, on va avoir la rookie Joey Bart pour San Francisco. C'est vraiment des belles cartes, ça. Okay. Joey Bart de San Francisco, Maxime Michaud. Une petite Mark McGuire. Donc, avant qu'il prenne des stéroïdes, il en prenait peut-être déjà. Là. Donc, moi, je trouve qu'il y a des looks à la Steve Austin. McGuire, des fois, même. Salut, Tommy. Bien arrivé. Roger Clemens pour Boston. Nice card, ça, Boston. David Lavoie. Question. Aurora pour les Brewers. Et en dessous, on devrait avoir une rookie. Et non, on a une Yadier Molina pour les Cards de Saint-Louis qui appartiennent à Kev Lachance. Ok, donc là on est rendu au moment des enveloppes, fait que je vais aller changer le défilement pour mettre le défilement des enveloppes qu'on a tout à l'heure. Tout à l'heure on sait, on les a mis. Donc là il y a vos noms avec un numéro d'enveloppe à côté qu'on a fait tirer tout à l'heure. Et puis moi, je vais juste prendre un instant pour
aller voir quelque chose, ça sera pas long. Ok, donc ok, donc là je suis prête. Là, vous voyez pas le défilement encore. Ah, je suis tanné de ça. Il m'a fait la même chose hier. Faut que je le refasse. Ah. Faut que je refasse un. Faut que j'aille dans les settings, puis que je refasse genre un défilement en mettant l'option défilement. Vous allez voir là. Dégradé comme ça. Ok. Il faut que je mette un filtre dessus qui va s'appeler défilement. Tout... Oui! Oui! Non, mais c'est juste que quand là, ça commence à faire ça, là, ça m'énerve là. Là, vous voyez avec les noms des. Vous avez votre nom avec les enveloppes. Ok, donc là, ça fonctionne. Let's go. Let's go. On va enlever ça ici. Donc, si je regarde dans mes trucs. Ok, donc là, je regarde mes trucs, je suis dans l'ordre. La 15e personne, c'était Kev Lachance. On va commencer avec le 15. Et le 15, on parle de Ken Griffey Jr. On l'a sorti hier, la mint 9. On en avait deux, la Bowman. Regardez, c'est ça, c'est après un circuit, ça. Et là, ça, c'est là. Donc, elle a une valeur de 20$. Kev Lachance, ça s'en va chez vous, ça. Ensuite, on avait Martin Boulet qui avait le numéro 14. Le numéro 14. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Oh, on avait la Dustin May, numéro 10. Gradé 10. Et elle valait 100$. Félicitations, Martin Boulet, numéro 14. Dustin May, la rookie. Gradé 10. Lui qui est bien performant en plus en série mondiale. Donc, good one! Félicitations à notre ami. Martin Boulet. Ensuite, la 13. Maxime Michaud. Et la 12 aussi, Maxime Michaud. Donc, deux de suite. Là, on a la Bowman 95 de Vladimir Guerrero Senior. Wow! Vladimir Guerrero Senior qui valait 75$. Donc, gradé 92, là. Donc, j'imagine 9.2. Donc, la Bowman Vladimir Guerrero. Super belle carte, ça. Nice. Et on continue avec notre ami. Avec Mathieu Michaud, qui a le 13 et 12 consécutifs. Et la Ken Griffey 89. Gradé 8. Et c'est celle à 20$. Donc, tu te retrouves avec celle à Monsieur Guerrero. Et il tombe avec la Ken Griffey. Comme ça ici. Très belle carte. Numéro 11, JP Moreau, qui en a deux. Savez-vous quoi? Je pense que vu que tu en as deux, JP Moreau, je vais sortir aussi la 7e, puis on va regarder les deux en même temps. Donc la 7e, la 11e. Et là, on va aller voir ici. On va aller voir dans la 11e en premier. Ouais, il y a eu une erreur. Il peut-tu avoir mis les deux en même temps, man? Il en a donné deux, man.
les enveloppes sont pleines? Non, je pense que. Non, mais je pense qu'il y en avait une qui en avait deux dedans, là, mais il l'a pas marqué. Fait que je me demandais. Ben, les deux ensemble, je pense, c'est une valeur de 200. C'est lui, là, le champion en passant, le JP Morrow, là. C'est elle qui vaut 200$. Puis je sais pas pourquoi il a marqué 20, là. Ah non, il y a une vraie Louis Roberts. Oh my god. Donc que ce soit là, mais une Pink Refractor comme ça, là. Ouf. Donc t'as la Bo Bichette 7 et la Louis Roberts 2 sur 5. Et la 7e, parce qu'il a marqué 20$, ça m'a. Et on a la Randy Johnson. Fait que tu te retrouves avec 3 cartes, 7 Rookie Randy Johnson avec les Expos. 10$ celle-là. Tu te retrouves avec Bo Bichette, Randy Orton et Louis Roberts. La 10e, qui appartient à David Lavoie. Qui est aussi numéro 2. Qui a aussi le numéro 2. Donc, Carlton Jr. pour les Orioles. Donc, elle est 10$. La deuxième, combien qu'elle vaut? C'est une Vladimir Guerrero Junior. Regardez ça. Donc, 10 Bowman Platinum, gradé 10. Et elle vaut 50$. Donc, la Bowman Platinum Vladimir Guerrero Top Prospect Ice. Félicitations. David Lavoie, gros. Fait que vous êtes finalement les gars de Val d'Or sont partis avec les gars de. Neuf, c'est Sylvain Tremblay. Et la 8 aussi. Donc on va faire les deux en même temps. Fait que là, les gars de Val d'Or sont partis avec les deux Vlad. On a la 7 de Barry Bonds, Don Ross ici. Donc Barry Bonds, la légende. Elle vaut 10$. Donc, Don Ross 87, gradé 10. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la Frank Thomas, gradé 5, malheureusement. Donc, les coins, c'est vrai qu'ils sont rough en tabarouette. Frank Thomas 92, et elle vaut 10$. Donc, tu te retrouves avec 20$ de cartes, deux enveloppes. Mais bon, Val d'Or part avec le lot, on s'entend. Ensuite. Il nous manque toujours Aaron Judge et Pete Rose. Donc le numéro 6 qui appartient à Stéphane Michaud. Stéphane Michaud qui part avec la Louis Robert gradé 10. Et c'est elle qui vaut 10 de, qui vaut 200$. Là. Félicitations. Là. Gradé 10 Louis Robert en ce moment. Ça, c'est une denrée très très rare. Même que je comprends pas comment c'est qu'il l'a mis dedans. T'es chanceux. C'est vraiment une nice carte. Là. Gradé 10 Louis Robert, c'est lui le populaire. C'est toi qui as gagné le jackpot. Monsieur, c'était qui? C'était Stéphane Michaud. Stéphane Michaud. Non. Nice. La grosse Louis Roberts. Rémi Lalancette qui a 5. Mais pour le gars qui a la rose, là, tu pèteras le case puis tu la vendras, genre sans le case. Si tu veux la vendre. Ok, mais elle est vraiment belle, là. C'est une rose, c'est une Pink Refractor. Ken Griffey Jr., 9. Elle vaut 20$. Rémi Lalancette. Maintenant, on est rendu à Jeff Latreille. Jeff Latreille. Pete Rose. Qui malheureusement. Imagine. Mettons, à vos 40$ là. Mais imagine s'il si finit par rentrer au Temple de la Runner. Puis il finit par dire ok, c'est beau, tu vas rentrer dedans. Là. Mais ça serait. Toutes ces cartes ont explosé. 1976, tops. Donc, t'as la Pete Rose, GF. Numéro 3, Tommy Gagnon. Une Ken Griffey. La 97 Finis Masters. Gradé 9, elle vaut 30$. Pour Ken Griffey. Et il nous reste une seule carte. Et j'imagine que ça va être la Aaron Judge. Le Gagnon. La Aaron Judge Rookie. Gradé 10. Bowman. Qui vaut 60$. Félicitations. Donc, Bowman. Et voilà. Donc, félicitations à tout le monde. On va classer ça. On met ça dans les enveloppes. Je montre le listing, la liste de hockey. Et je passe ça. À plus tard, tout le monde. Merci d'avoir été là. On adore ça. Yes, Sylvain. Ben, des fois, on gagne. Des fois, on perd. Mais t'en avais deux. Hein. T'as pas été chanceux de pogner deux à 10.